Ajun la jango kwa la inbo wa pinya. Osumele binyo masuma ekila majo. Babula wasadi bodu iboledu kukure yevu yevu. Bubam bubam kuku mwende babimba. Nena mawane bolanturu inyo endane ni kumbanyu nye wolo. Nena mawane bolanturu nyo lanyu. Nous sommes ici à la pharmacie du CHU de Brazzaville après ce qui s'est passé le 4 dimanche 4 mars, qui est censé ou qui est comme le dimanche noir dans l'histoire de la République du Congo et les quartiers nord de Brazzaville. Nous sommes venus ici au CHU, le centre hospitalier de Brazzaville, le CHU, pour enquérir, pour voir comment ça se passe. Ici, c'est la pharmacie et c'est le dépôt ici. Vous avez derrière nous les employés qui sont en train de recevoir, les employés, pas n'importe quels employés, les médecins et les infirmières qui sont en train de recevoir les dons. Et les dons que nous avions là-bas, c'est les dons de Total. Il y a eu multiples dons. Et tout à l'heure, nous allions aussi aller au service d'urgence pour avoir les dons présentés ou donnés par l'ordre des pharmaciens du Congo. En tout cas, je voudrais avoir le chef service. Ici, c'est le chef service. Monsieur, je voudrais vous poser une question. Je sais que normalement, c'est un peu rapide. Je vous prends comme ça à l'improviste. Dites-nous, depuis que vous êtes là, quels sont les dons que vous avez déjà eus? Depuis que nous sommes ici, on a déjà eu différents dons de l'OMS, Monsieur Wamba, la Comeg, Doucouré, Total, Eni Congo, la direction des pharmacies, le comité technique, et puis d'autres individualités qui passent directement au triage. Ceux-là, nous n'avons pas la maîtrise. Parce qu'ils déposent au triage, ils repartent. Mais ceux dont je viens de citer, c'est ceux qui passent par la pharmacie et nous recevons, nous enregistrons et de temps en temps, on fait le dispatching. D'accord. Merci, monsieur. Vous avez constaté que les Congolais sont solidaires et les noms qu'il a mentionnés tout à l'heure, c'est les noms des Congolais et puis d'autres entreprises internationales qui sont installées ici au Congo comme Total. Et tout à l'heure, comme je vous ai annoncé, nous allons recevoir en direct le don de l'Ordre des pharmaciens du Congo. C'est aussi un geste que les Congolais sont d'abord, ils ont de la compassion et ils sont généreux entre eux. Est-ce que vous aviez répondu, fait une réponse spontanée avec une liste précise où vous avez donc voulu donc présenter seulement vu la situation actuelle? Donc le don est fait au nom des pharmaciens congolais et je pense qu'en la matière, face à ce désastre-là, le maître mot c'est de la solidarité. C'est donc pour faire preuve de solidarité à l'endroit de l'ensemble de notre population, à l'endroit des populations qui ont subi des dommages corporels et qui ont, dans nos différents hôpitaux, besoin des médicaments, que nous avons mobilisé les pharmaciens de Brazzaville. Et ils ont répondu présent. Donc, dans un premier temps, nous faisons un don de 20 millions de francs CFA en médicaments. Là, tout de suite, là, nous offrons déjà un certain nombre de médicaments qui sont demandés urgemment. Mais donc, à concurrence de cette enveloppe de 20 millions, nous répondrons
à la demande des services médicaux, des services de nos hôpitaux, le CHU, l'hôpital militaire, etc. Et donc nous faisons, on ne fait pas comme d'habitude, où on vient, on offre des quantités de médicaments sans que cela ne corresponde exactement à la demande. Ici, presque au quotidien, les médecins peuvent nous dire qu'on a besoin de tel médicament, tel type de médicament, et nous répondons à la demande. Les 20 millions de francs de dons, c'est pour, uniquement pour le CHU ou vous allez ou pour les autres centres aussi? Ben écoutez, nous répondons à la demande hein, de tous les services d'urgence. Là, pour l'instant, nous avons donné au CHU. Il est évident que nous sommes en contact avec les services, la cellule de crise qui a été mise en place. J'ai appelé ce matin le professeur Elira et c'est avec lui que nous avons convenu, avec le professeur Ngombe, d'emmener les premiers lots de médicaments ici. Mais dès demain ou après-demain, s'il nous dit qu'il faut amener également à l'hôpital militaire, nous le ferons. Vous venez là de voir en direct l'exemple de la solidarité congolaise. C'est l'Ordre des pharmaciens du Congo qui vient de donner un don de 20 millions de francs ici au CHU. Ça démontre que les Congolais s'aident d'abord avant l'aide internationale. Nous sommes toujours au CHU et tout à l'heure nous allions aller aux tentes plantées par l'ONG Médecins sans frontières et voir aussi quelle aide ils apportent ici aux Congolais sinistrés. Nous sommes toujours au CHU et derrière moi, c'est deux tentes installées par l'ONG internationale Médecins sans frontières. Je crois que c'est les victimes du Kompila. Ils souffrent de quoi? C'est les blessures, les fractures et tout. Ils sont là parce que les lits sont déjà très occupés. Oui, parce que les lits sont occupés. C'est pour ça qu'on a préféré de les amener ici là, pour leur suivre ici là. Au lieu de les laisser là-bas au même le sol, on a préféré de ramener les matelas pour les mettre installés ici là. Qu'est-ce qu'ils ont besoin urgemment comme assistante médicale? Les gens ne peuvent pas vivre comme ça là. Ils n'ont même pas les draps, les matelas, donc vraiment, c'est pas facile, on ne peut pas supporter. Comme vous le constatez, il y a, comme l'infirmière vient de dire, beaucoup n'ont pas de draps, donc il faut un peu de l'aide. Mais ils ont aussi souvent d'autres préoccupations, comme ce malade qui est couché. J'imagine qu'il a beaucoup à dire. Alors, je vais venir à côté de vous. Je suis un étudiant, je suis venu à l'hôpital de Talangaï. L'événement et l'autre, là, l'incendie m'a croisé là-bas. Donc le temps de faire et de retourner, bon, tout justement, il y a le flamme et puis l'autre là, le bruit, les oreilles sont, l'explosion et les oreilles sont bloquées. Plus la colonne vertébrale par la panique là, et la colonne vertébrale est touchée. Bon, on nous avait reçu et on nous a ramené l'autre là. Ici là, bon, le service de l'autre là, Laurent nous a reçu et on nous a passé à la natonie, à la radio. À la radio, on nous a fait la radio. Bon, là, on commence à se retrouver petit à petit. D'accord. Donc, Ça va mieux petit à petit, on commence à se retrouver. Voilà, vous voyez de vous-même, c'est un étudiant, il est un peu dans les difficultés, mais il se retrouve petit à petit. C'est ça un peu, après l'explosion au dépôt d'armes du 4 mars 2012. Nous sommes ici au CHU et nous sommes avec le directeur général de ce grand hôpital de référence de la ville de Brazzaville et du Congo. Alors, il est à l'épicentre de l'événement sanitaire. On va lui poser quelques questions et qu'il nous dit son état d'esprit en premier lieu. Justement, l'état d'esprit, c'est celui par rapport au premier jour du dimanche.
Actuellement, on est un peu plus apaisé que le jour du drame même. Les équipes sont toutes mobilisées, les équipes sont là. Et ça, c'est ce qui me donne un peu de baume au cœur parce qu'on est en train de sauver pas mal de vies. Et tous ceux qui nous arrivent sont pris en charge totalement. Vraiment, je veux dire, une prise en charge totale. Là, nous avons reçu une équipe médicale française qui est avec nous, composée de 24 médecins et infirmiers. Et nous sommes en train donc de faire la visite des malades et la visite des installations pour la prise en charge de ceux-ci. Alors, à vous, personnellement, il paraît que depuis dimanche, vous êtes ici. Comment vous faites pour avoir l'énergie, pour passer les nuits ici? Ça doit être le dernier sursaut. On doit avoir vraiment beaucoup, on a beaucoup besoin de cette énergie parce que sinon on ne peut pas faire autrement. Nous passons des nuits ici, on est là du matin au soir, les équipes sont mobilisées, les équipes sont là du matin au soir. Ils travaillent vraiment avec acharnement pour que toute vie qui arrive chez nous, dans la mesure du possible, qu'on puisse la sauver. Merci, monsieur. Et pour conclure, si vous avez un message aux Brazzavillois et ceux qui sont sinistrés, quel message que vous aviez à les adresser? Alors, aux Brazzavillois qui sont sinistrés et à tous ceux qui m'entendent et tous ceux qui ne peuvent pas arriver au CHU à l'heure actuelle et qui se disent que la prise en charge est totalement gratuite. Elle est gratuite, n'ayez pas peur, venez à l'hôpital. Vous avez beaucoup de points. Vous pouvez venir directement au centre hospitalier universitaire de Brazzaville ou encore à l'hôpital central des armées. La prise en charge est la même. Et nous avons reçu pas mal de médicaments pour sauver les gens. Et on a toutes les équipes autour de nous. Et il y a une solidarité agissante qui est très là. Les équipes venues de partout, d'Italie, de France, de Kinshasa, de Sao Tomé-Principe, que je remercie au passage. Et donc la main nous travaillons avec ses amis. Et donc tous ceux qui sont dans la souffrance, tous ceux qui ont une blessure, grave ou moins grave, mais qu'ils se fassent enregistrer à l'hôpital et qu'ils se fassent prendre en charge. Et la prise en charge, je répète qu'elle est gratuite. Vous avez eu les messages du DG du CHU et tout à l'heure nous allons nous adresser à un des donateurs qui est responsable de la société d'exploration pétrolière Total. Alors, monsieur, vous êtes un employé ou un dirigeant de Total, si je n'imagine pas. Vous êtes là? Je suis le médecin-chef de la clinique Total Gabon. Et comme je suis chirurgien, on m'a demandé de venir en renfort avec un anesthésiste pour voir si on pouvait prêter main forte aux équipes sur place. Nous sommes arrivés hier soir et sur Pointe-Noire et nous sur Brazzaville tout à l'heure. Et tout se passe bien? L'accueil est excellent. On a hâte de s'intégrer à l'équipe qui est en train de travailler et qui va agir sur place. Vous êtes là à la tête d'une délégation des médecins français, si je ne me trompe pas. Alors, vous êtes venu, on sait, c'est pour prêter main forte suite à l'explosion d'armes ici à Brazzaville. Non, en fait, j'étais présent à Brazzaville quand c'est arrivé dimanche. Et donc, c'est comme un tremblement de terre. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de morts, entre 150 et 200 morts. Deuxièmement, beaucoup de malades blessés gravement, avec notamment beaucoup de fractures de membres ouvertes. Des fractures du thorax, des traumas de la tête. Et puis aussi, comme dans un tremblement de terre, il y a eu tout le quartier concerné qui a été détruit, les maisons détruites, avec beaucoup de morts. Donc on se retrouve devant un double problème. Premièrement, un problème médical pour soigner en urgence tous les blessés qui le nécessitent. Et deuxièmement, un problème humanitaire pour porter secours aux populations qui ont perdu leur maison et qui nécessitent une aide humanitaire. Donc sur le plan médical, une équipe française est venue de France, de l'Éprusse. C'est une structure qui dépend du ministère de la Santé, qui sont venus vraiment très rapidement, puisqu'ils sont venus pratiquement 2 jours après l'accident. Il est composé d'une vingtaine de personnes, dont des orthopédistes, des urgentistes, des anesthésistes, des infirmières, des psychologues, avec également du matériel. Et ce matin, nous sommes en train de faire le tri et de coordonner les soins avec l'équipe congolaise du CHU Brazzaville, son directeur et les médecins, et les médecins français, pour savoir quel est le nombre de malades à opérer. On a environ dénombré une cinquantaine de malades.
à opérer rapidement parce que c'est souvent des fractures ouvertes. Donc il ne faut pas perdre de temps. Donc on a visité les structures, les blocs opératoires, les moyens, l'oxygène, le matériel, de manière à commencer pratiquement dès ce soir ou demain matin les cas les plus urgents. D'accord. Et monsieur le professeur, est-ce que vous allez donner vos aides uniquement ici au CHU? Parce que j'imagine qu'il y a les centres ou d'autres personnes. Alors c'est une coordination par le ministère de la Santé, le monsieur Moyen, où effectivement il y a deux hôpitaux qui sont en charge des malades lourds, c'est-à-dire l'hôpital militaire et deuxièmement l'hôpital civil du CHU. L'équipe française, volontairement, qui est une équipe civile, a été dirigée vers le CHU, qui est civil, et il y a aussi, très important, une aide marocaine extrêmement importante, avec 80 personnes, 5 avions, du matériel, du personnel médical, paramédical, et qui, eux, vont s'installer et travailler plutôt avec l'hôpital militaire. Comme ça, les militaires avec les militaires et les civils avec les civils. Mais il y aura probablement des échanges. Vu la nécessité et l'ampleur des soins à donner, il y aura probablement une très bonne coordination entre les équipes congolaises, les équipes marocaines et les équipes françaises. Et finalement, monsieur le professeur, si vous avez un message à adresser aux Congolais, ceux en particulier qui ont été victimes de ce qui s'est passé dimanche, quel est le message que vous allez les adresser? Je pense qu'il faut qu'ils fassent preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de solidarité. Que j'ai cru comprendre que le gouvernement avait pris l'ampleur du problème en charge et que je pense que, premièrement, sur le plan médical, le nécessaire va être fait. Ça, c'est sûr, parce qu'avec les aides internationales que les hôpitaux congolais ont reçues, je pense que ce problème sera en partie résolu. Par contre, le problème humanitaire est un problème plus profond au long cours, et il y aura besoin d'aide alimentaire, d'aide médicale, d'aide psychologique, parce que les populations ont été choquées. Elles n'ont pas compris ce qui s'est passé. Il y a même plusieurs interprétations qui ont déstabilisé psychologiquement, de la crainte d'une récidive, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ce n'était pas le cas, c'était accidentel. Et donc, reconstruction aussi de logements sociaux dans ces zones. Donc, c'est un long parcours, mais je crois que le gouvernement congolais a pris l'ampleur du problème en considération. D'accord. Ce problème des récidives, quand on a un expert comme vous ici, parce que la population vraiment panique, nous on est sur le terrain, est-ce qu'il y aura un récidive ou pas? Récidive de l'accident? Oui. Non, enfin, je pense que de ce que j'ai compris et des informations que j'ai par la presse ou par les dirigeants congolais, le site va être sécurisé. Le site où a lieu l'explosion, d'accord, plusieurs explosions, va être sécurisé de manière à ce que ça ne se reproduise pas dans l'immédiat. Mais secondairement, il est clair aussi que ces réserves de munitions devront être délocalisées à l'extérieur des villes et des habitations. On vient d'interviewer ceux qui sont venus de l'étranger et c'est tout à fait normal, vous êtes d'abord aux premières lignes. En première ligne, vous avez une plus profonde connaissance de la réalité des choses. Alors, quelles sont les mesures que vous aviez eu à prendre dès le premier jour de l'événement? Vous savez, ça vous tombe comme ça, ça vient subitement, c'est une urgence. Il a fallu faire face à cette urgence. Nous avons, et comme dans tous les hôpitaux, un service de garde. Il y avait donc le service de garde qui était là, de chirurgie et de médecine aussi. Et très rapidement, d'autres praticiens ont accouru, se sont retrouvés aux urgences et on a fait face. Il a fallu s'organiser face à l'afflux des blessés, qui était très importante. Hein, tout était envahi, le service de triage avait perdu de sa sérénité. Il a fallu donc organiser, des équipes ont été divisées en différents groupes d'accueil, de triage, c'est-à-dire qu'il s'agit de trier les victimes, de voir quelles étaient les plus urgentes à traiter, les moins urgentes. Il s'agit donc d'établir des priorités. Ceci a été fait rapidement. Les patients qui devaient être dirigés au bloc l'ont été fait. Une équipe les y attendait avec des médecins anesthésistes, des infirmières anesthésistes, des penseurs du bloc. Ceux qui étaient de moyenne gravité, qui présentaient une gravité moindre, étaient justement dirigés dans différents services. Donc nous avons eu à libérer différents services, à faire des espaces. Nous les y avons accueillis. Et ceux qui pouvaient être traités sur place, c'est-à-dire des petits bobos, entre guillemets, étaient vite traités à titre externe et remis dans la circulation. Voilà ce que nous avons fait à titre urgence. Et secondairement, les autorités médicales, sanitaires, ont fait appel à tous nos collègues qui étaient absents. Et ceux-ci sont arrivés spontanément
et l'équipe était au complet. Et ainsi, depuis dimanche, nous travaillons en solidarité. D'accord. Alors, professeur, la question qu'on va poser est que ceux qui ont les victimes qui ont eu la chance d'être ici vont avoir peut-être les meilleurs soins. Ceux qui sont, par exemple, à Sainte-Anne ou à d'autres places que le gouvernement a désignées pour qu'ils soient peut-être cantonnés là provisoirement, est-ce qu'ils auront aussi les mêmes attentions comme les victimes qui sont venues ici au CHU? Non, les autorités sanitaires du Congo ont pris leur disposition. Ici, il y a les plus graves, il y a d'autres hôpitaux, l'hôpital central des armées et autres, mais des véhicules, des travailleurs, des agents de santé sillonnent la ville. Vous savez qu'en temps de paix, nous avons l'hôpital général ici, le CHU, il y a l'hôpital central des armées, il y a aussi des CECI. Il y a l'hôpital de Talangaï, de Merkelekele et d'autres hôpitaux de secondaires. Ceux-ci continuent de fonctionner. Dans les sites, il y a des agents qui ont été adressés, qui reçoivent les patients. Les plus graves sont réadressés aux centres les plus importants. Les moins graves sont traités sur place. Donc personne n'est abandonné, il n'y a personne laissé sur le bord de la route. Après ce qu'on peut désigner comme un dimanche noir, c'était le 4 mars de ce mois. Ici, on est dans l'un des sites désignés par le gouvernement ou retenus par le gouvernement pour abriter les victimes de l'explosion du 4 mars. Ici, on est venu pour les rencontrer et les demander leurs sentiments ou le sentiment qu'ils ont après avoir été chassés de chez eux après cette explosion. Vous êtes là depuis quand? Moi, je suis là. Bon, je vivais au camp, là où l'action a commencé. Ce que je demande au gouvernement, c'est quoi? Or, ce que j'ai perdu, il y a des morts jusqu'alors qui se trouvent dans les étages qui étaient cabossés jusqu'alors. Je demande au gouvernement de faire face à la Croix-Rouge, d'aller d'abord ramasser les morts. C'est ça que je peux demander au gouvernement. Je me porte bien. Tout simplement, je suis un élève et nous, les élèves en particulier, nous sommes en train de s'inquiéter. Nous sommes ici, on ne connaît pas quelles sont les dispositions qu'on a prises pour des élèves qui sont ici et surtout des candidats au BPC, des candidats au bac que nous sommes. Et CEP, nous voudrons que l'État puisse prendre des dispositions si possible pour que nous puissions faire notre examen dans les mesures possibles. Et les conditions ne répondent pas tant que telles. Nous sommes en train de dormir et les conditions ne sont pas possibles. Et surtout des toilettes, il manque des toilettes, surtout il y a aussi le problème d'eau. Et les poubelles, voilà les conditions. Ça, c'est encore amassé, encore des maladies. Et la distribution se fait d'une manière, on peut dire, particulière. À 23h, jusqu'alors on n'a pas encore mangé. À quelle heure nous devons manger? Nous suggérons que nous les élèves du lycée de la Révolution, du CG Gompo Oloulou, les candidats, qu'on nous trouve au moins l'internat pour qu'on puisse nous interner afin que nous puissions faire les cours. La résolution qu'ils ont pris que nous partons faire s'inscrire par-ci par-là, nous ne pouvons pas le faire parce que nous ne savons pas à quel niveau les autres sont arrivés déjà sur leur chapitre. Donc cela nous fait des problèmes. Il y a un problème parce que tout le monde n'est pas censé vivre ici là. Nous qui vivons donc à la cité, nous venons ici là pour la ration. On n'est pas, nous qui, en dehors des gens qui sont de la cité, les gens qui sont reçus par les parents sont négligés à eux-mêmes. Au lieu de s'occuper aussi de résister les gens qui sont chez les parents, il y a un problème. On arrive ici, nous qui sommes à la cité, reçus par les parents, nous ne sommes pas nourris. On est en train de suivre, on est venu là pour revendiquer la nourriture. Malheureusement, on dit que vous n'êtes pas au site, on ne peut pas vous nourrir. On ne sait pas, il faut trouver la solution pour ça. Alors, comme vous avez suivi, après ce genre de sinistre, il y a toutes sortes de revendications. Mais nous pouvons vous assurer que le gouvernement a pris ça d'une manière d'urgence. Nous pensons que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour répondre aux demandes et aux exigences de ceux sinistrés qui sont ici au marché de Kombo. Nous allons aller à l'intérieur pour voir l'état des gens qui sont là. Oui. Dans ce marché-là, il n'y a pas de sanitaires. Les enfants vont se soulager où?
les grands messieurs vont se soulager où? Les élections arrivent. Nous nous montons déjà une commission. Hein. So, just say... Voilà, après les interviews qu'on a eues, les réactions des sinistrés qui sont logés ici au marché de Kombo, nous avions le responsable de la Croix-Rouge congolaise qui ont élu domicile ici. Ils ont leur siège provisoire ici, donc il est le chargé de la catastrophe de la Croix-Rouge congolaise. Il se présente et il nous dit comment ça se passe. Bonjour, je suis Wilfried Dera. Je suis disaster manager, donc le chef de département préparation et réponse aux urgences. La Croix-Rouge est installée dans les sites et la Croix-Rouge apporte une assistante multiforme. Il y a un service qui est chargé d'enregistrement pour nous donner le nombre réel des personnes déplacées. Et c'est à partir de ces personnes que nous pouvons établir les différents services d'assistance. Combien des enfants non accompagnés vous avez reçus ici? Oui, au niveau du site de Kombo, nous avons 9 ENA, enfants non accompagnés. Et la Croix-Rouge a un service qui est pris en charge par le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui s'en charge de rechercher, faire un avis de recherche et pour faire un rétablissement familial avec, entre les enfants et les parents. Et la question qu'on doit se poser, c'est que est-ce que vous avez réussi, depuis que vous avez ouvert ce centre, à réunifier un enfant non accompagné avec sa famille? Si oui, combien? On peut dire oui, parce qu'il y a déjà au moins 3 qui ont été qu'on a reliés avec leurs parents. Nous avons 720 ménages autour qui nous donne environ 5200 personnes. Je vous êtes le président de la fondation Ebina. Alors, M. Washington, dites-nous un peu, vous êtes ici comme vous faites d'habitude. Alors, c'est un geste de solidarité si je ne me trompe pas. Évidemment, je crois que la nation congolaise doit se mobiliser. Parce que le drame qui nous est arrivé à tous les Congolais, donc nous devons tous nous mobiliser pour ne pas être indifférents à nos frères qui sont dans le besoin. La Fondation Ebina, dès les premières heures, nous sommes allés dans les hôpitaux, nous avons commencé à distribuer des médicaments et de l'eau potable. Je suis venu ici sur place pour constater le désarroi. J'ai emmené avec moi quelques moustiquaires imprégnés, mais déjà nous avons préparé le camion de distribution d'eau qui va arriver pour distribuer. Donc nous sommes vraiment en activité pour ne pas abandonner cette population qui ne mérite pas ce qui est arrivé. Et finalement, est-ce que vous allez faire votre geste uniquement ici à Kombo ou dans tous les centres désignés? Dans tous les centres, parce que nous avons déjà commencé depuis hier soir, nous étions au niveau de la cathédrale. Nous avons déjà commencé à travailler. Ici, nous sommes venus déjà pour constater quel est le besoin. Et déjà, nous avons mis des moustiquaires imprégnés. Bon, mais on va regarder, on va travailler partout. Et évidemment, moi, j'appelle tous les Congolais de partout. Et je lance un appel, évidemment, au niveau de Pointe-Noire et de la diaspora, que les Congolais se mobilisent. Pour qu'ensemble nous puissions apporter de l'aide à tous ceux qui souffrent. Donc toutes les personnes de bonne volonté, dans vos maisons vous avez des vêtements, dans vos maisons vous avez de la nourriture, emmenez de la nourriture ici, parce que la population en a besoin, surtout ceux qui sont sinistrés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens se plaignent ici qu'ils ne reçoivent pas ce que vous leur demandez? Ils disent qu'ils ne reçoivent pas les dons que les gens emmènent. Ça, franchement, tout le monde ne pourra pas être satisfait. Oui, c'est bien. Oui. Et ne peut pas être satisfait. Il y a des gens qui ont une note, qui vont voir ça. Oui. Et quand on lui dit que non, ce n'est pas possible, oui. Ils pensent que non, on lui a refusé. Vous êtes de Fondation Génération Avenir. Alors vous êtes là. On voit, mais vous êtes là pour faire vraiment précisément quoi? Bah écoutez, dans un premier temps, on a emmené des mousses, hein, des mousses parce que la population est à même le sol, ils dorment par terre. Il y a des enfants, il y a des femmes. On est dans un état d'urgence. Hein. Donc, au fur et à mesure, on emmène ce qu'on peut selon les besoins de la population. On a commencé par les hôpitaux. On a ciblé 6 hôpitaux, on a emmené des médicaments et puis là, on emmène des mousses. Puis on va regarder aux besoins, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui... La
question que nous avions posée et que je pense que vous aussi vous êtes en train de poser, comment on connaît si quelqu'un est sinistré et comment on les apprécie et comment on les reloge. Et selon un spécialiste, on les prend selon les niveaux, des premiers âges au troisième âge. Voilà un peu comment les 7500 et poussières de familles qui sont ici sont logées, évaluées et nourries. Mais bien sûr, comme c'est une situation d'urgence, il y a aussi bien sûr des lacunes qu'au fil des jours, le gouvernement va s'atteler à les améliorer. Après le centre de Kombo, qui est l'un des centres retenus par l'État pour caser les sinistrés du dimanche noir 4 mars, nous sommes venus ici au cathédrale Sacré-Cœur au centre de Brazzaville, qui est aussi l'un de ces centres retenus pour caser les sinistrés. Est-ce qu'il y a un infirmier ici, du personnel soignant? Vous voyez, là, c'est grave, là, c'est sérieux. Donc, il faut qu'elle soit prise en charge. Pour l'instant, on n'a pas encore mis un centre de santé dans des sites. Madame Opimba, je voulais vous poser cette question. Alors, vous êtes là, l'impression de la situation que vous avez constatée ici? Ben, nous sommes là en pleine, dans la circonscription, où je suis élue députée. Donc, nous sommes véritablement concernés. C'est pour cela que nous venons au secours des populations. À travers notre présence, à travers le modeste don que nous avons apporté. Et le don que vous avez apporté aujourd'hui, bon, ce n'est pas modeste, c'est quand même considérable. Est-ce que vous faites ça seulement dans votre circonscription ou vous allez aussi aller, comme je les ai vus aujourd'hui au CHU, et aller aussi ailleurs? Non, après, ici, nous irons à l'hôpital, on fait à Kombo, parce qu'il y a un autre site là-bas, et puis demain, nous allons visiter d'autres sites. Mais on a commencé à Poto-Poto parce que, comme on dit, la charte est bien ordonnée. Non, tu vous servez une femme, elle te dit, moi j'ai les jumeaux, la deuxième femme, j'ai les jumeaux. Quelle est la nature du don que vous avez appris? Mais le don que vous voyez là, c'est un don de riz, un don en riz, sucre, du sel, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même des papiers hygiéniques et tout ça là, mais c'est pour justement donner aux gens qui sont sur le site. Et je crois qu'ici, il y a une équipe justement qui réceptionne ce don, qui peut également le préparer si c'est du poisson, de la viande, pour donner aux personnes qui sont sur le site. Vous avez vu en direct la solidarité des Congolais. Mais une fois de plus, comme on a fait à Kombo, nous allons demander aux sinistrés qui sont ici de nous donner leur impression. Ça se passe mal. Qu'est-ce qui se passe mal? Parce qu'on ne se nourrit pas bien, il n'y a même pas de famille, on ne s'en occupe pas de nous. La maison qui a été cassée, on a tout perdu. Alors, cette jeune dame a tout perdu, mais elle a la chance que d'autres n'ont pas eu. Elle est en vie. Kondija, il y a vraiment bien terre. Est-ce que vous avez bien ni Nikaka, ni les autres en Abino? Tout il y a vraiment bien terre, tout il y a vraiment bien terre. Si vous le dites, ni Baba avec sa vie, ni les autres en Abino, ni Baba sa vie, ni ceux qui parlent de lui, c'est que Baba sa vie, leur Abino. Baba avec sa gamme condition, il y a Kondija. Na ya kola la po, bato mosuba la libanda, bato mosuba la na katina wa lili. Moi ya te. Bato mosuku ba djuba drate, bato mosuba la ka libanda. Tande to zola la ka. Bala ba bunga, ba bunga misuto ba kufi, a moi et te bozo ke biso solso blobozo. Voilà, vous avez vous-même suivi le constat ou l'impression que ceux qui ont été victimes de l'explosion du 4 mars vous ont exprimé en langue vernaculaire. Voilà un peu notre constat ici à la cathédrale Sacré-Cœur. Et ce n'est pas une question quel mécanisme qu'on a pris en place. On avait déjà une structure d'aide et d'assistance alimentaire au Congo à travers les cantines scolaires. On a un projet de filet de sécurité avec justement le ministère des Affaires sociales dont les arrangements pour l'exécution de ce programme venaient d'être terminés. On doit commencer les premières distributions de ce qu'on appelle les coupons électroniques dans certaines zones.
Ce qu'on a fait immédiatement, et on a discuté les priorités entre le système des Nations Unies avec le gouvernement du Congo, qui était très important, c'est le volet médical, qui a été bien répondu avec une assistance généreuse des bailleurs de fonds. Et maintenant, depuis 3 jours, les gens mangeaient que du pain, avoir de l'eau et des sardines. On a envoyé des camions avec 12 tonnes de nourriture pour aider pour une semaine. Si c'est nécessaire, on prolongera pour une autre semaine cette assistance alimentaire dans les camps. Comprenant bien qu'il y a beaucoup de familles qui ne vivent pas dans des camps, qui vivent avec des familles hautes, il faudra une étude plus approfondie pour voir le niveau d'aide et le nombre de personnes dans le besoin. Donc ce que nous, le PAM, faire, initialement, on va continuer cette assistance alimentaire pour 15 jours à 30 jours, et puis on va profiter du système de filet de sécurité et l'étendre pour qu'on aide les gens à aller sur le marché, à acheter leur nourriture et tout ça. Donc ça, c'est la stratégie du PAM avec les partenaires. Le PAM a, dans l'entrepôt, et ce qu'on appelle le plompidose, c'est une genre de nourriture qu'on utilise pour les enfants et les femmes enceintes ou tout ça, qui serait prêt aussi à être distribué dans les hôpitaux et quelques centres, là où c'est nécessaire. Mais il faudra, et on a discuté avec des partenaires ONG, pour montrer, pour faire une sensibilisation, comment utiliser et cette nourriture qui est très nouvelle au Congo. Après le centre de réfugiés de Kombo et la cathédrale Sacré-Cœur, toujours à Brazzaville, nous sommes arrivés ici aujourd'hui au centre sportif de Makelele-Kélé pour rencontrer quelques sinistrés de l'événement de 4 mars au ce dimanche noir. C'est la première, je reviens de Wenze, au 753, dans la rue Ludima, numéro 373. Et depuis que vous êtes ici, est-ce que vous êtes bien accueillis ou pas? Bon, nous sommes arrivés seulement hier vers les 7 heures. Le nombre gonflait quand même un peu. Mais il n'y avait pas de réception jusqu'à 18h, on n'avait rien. Donc d'autres étaient démoralisés, il fallait partir dans les autres sites. Et on nous a dit dans ces sites-là, c'était aussi vraiment beaucoup saturé et ils revenaient. À ce jour, aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour. Hier, à 8h, aujourd'hui, comme le nombre commence à croître. La nuit-là, on ne connaît pas c'est quel camion. Il y a eu une délégation qui est venue, on nous a donné un repas froid, des boîtes, de l'eau. Bon, on nous a promis qu'ils devaient revenir encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu des camions venir avec des mousses, avec des choses. Subitement, il y a eu une voiture qui est venue 4x4 qui nous a dit que ce site n'est pas reconnu. On nous a dit, mais ce site n'est pas reconnu comment? C'est depuis la télé et la radio qu'on nous a dit que ce site, c'est un site. Nous allons vous enlever d'ici et vous devez partir là. On nous a dit, mais ceux qui sont là-bas, c'est saturé, ils viennent ici. Comment qu'on nous prendre? Tel que moi, là, je suis malade, je viens de sortir plein de l'hôpital. Là, je suis proche de l'hôpital, en cas de je peux aller là-bas. Ils ont dit, non, vous devez partir. Donc, il y a eu contradiction. Moi, j'étais à la cathédrale avec ma petite sœur, mais hier, il y avait la pluie. Toute la pluie, en tout cas, dans le corps. Il n'y avait pas de place. C'est saturé à la cathédrale là-bas. C'est pour cela que nous sommes venus ici. On ne sait pas si c'est de leur faute. Mais peut-être qu'ils ont des raisons. Ils pensent que non, là où on les a envoyés, peut-être qu'ils ne se sentent pas bien là-bas. Ils sont contraints de déplacer. Que pensez-vous des sinistrés qui décident d'eux-mêmes de déplacer les camps? Il y a un manque de crédit, pas, excusez-moi. Moi, je pense que c'est une bonne idée parce que concernant ici, là, c'est une école d'abord. Là, partout, il y a des gens qui passent n'importe comment. Nous, on fait les cours, eux, ils sont ici, là. Ça va toujours créer la pagaille. Il y a des gens qui rentrent, les élèves, des élèves et les étudiants sont tous là, les gens qui vont. Donc, il y a la pagaille ici. Vous voyez ici, c'est une école. Et là, ils sont là, c'est pas du tout normal. Ils sont dans les salles, il y a des bancs. On décide de leur mettre là, mais là, ça ne va pas marcher. Parce que nous, on pratique notre basket. Bon, du coup, à nos sports, on fait ça là-bas encore. Je crois que vraiment, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Moi, je pense que ce n'est pas évident parce qu'ici, d'abord, ce qui va leur embêter, c'est le problème du Wissi. Ici, les douches. Je ne sais pas. Sinon, ce n'est que ça, il faut dire. Donc, ce n'est pas bien le fait d'être ici. En plus, ça sera une sorte de pagaille avec eux et les élèves qui sont ici. Mais comme dans toute opération, il y a ceux qui veulent que la loi marche selon les diktats et d'autres qui ont aussi leurs problèmes individuels. Ce que nous avions constaté ce matin ou cet après-midi, il y a ceux qui disent qu'ils n'ont pas voulu aller au centre désigné du centre de Sacré-Cœur parce que selon eux, elle est saturée. Mais ils sont ici, ils veulent qu'on vienne leur secourir. Et nous croyons que l'État va le faire. Mais nous croyons aussi que dans une situation de tel genre, les gens doivent obéir et respecter la loi pour ne pas disperser les forces. Mais ils sont vraiment en difficulté.
C'était à chaud dimanche. Et que peut-être aujourd'hui on voit un peu que voilà un peu la situation, comme ça, peut-être avec votre abord, vous nous montrez là où on peut aller. Regardez. Oui, oui. C'est déjà l'endroit, la réserve. Oui, oui. Là où c'est comme un four, quand ça prend feu, ça prend, ça prend, ça prend. Après un moment, ça explose. Ça explose. Pourquoi ne pas aller comme ça? Bon, oh, le problème c'est que. Ah, ça se détonne à tout moment. C'est le problème, ils ne sont pas protégés. Regarde comment nous sommes. La clé, allez. Oui, on va le prendre. Mais comme on était sur le terrain ici, on avait emmené les clés. Le commandant, c'est pas... Là où il y a des remblais de terre. Il y a des remblais de terre marron. C'est ça qui sortait contre les obus. Bon, les sapeurs pompiers, ils ont installé leur tuyau. On attend qu'ils arrivent pour pousser les obus dans le grand foyer. Là-bas, au fond, là-bas, ce n'est plus tellement... Hein, c'est plus que le petit foyer seulement. Et le grand foyer, c'est là où il se blonde. Un kilomètre de diamètre ou de rayon? De rayon. De rayon. Ça veut dire que c'est un kilomètre comme ça, un kilomètre comme ça. Parfois, ça ce sont mes estimations. Oui, non, non, mais je vois. Et parce sinon, qu'il y a des maisons. Quand des je vois de là où nous sommes, juste là-bas, ça peut faire un kilomètre. Même au plus. C'est plus. Oui, oui, c'est plus. Il y avait une voiture devant moi là. Ça pue. Là aussi, dans le bâtiment, il y a des gens qui sont là. Tu fais ça ici, non? En avant, je te dirai là où tu veux. Tu t'es bousillé? Tu t'es bousillé, il n'est pas là. J'ai les cartes de visite qui est dedans. Tu peux prendre. Ah oui? Si ce sont les vôtres. Oui, regarde, voilà mon nom. Non, vous voyez. Ah oui, mon sang. Les cartes même de. Ellie Smith. Mais c'est bon, monsieur. C'est à vous, prenez tout. Dimanche 4 mars, c'est un dimanche noir dans la vie du Congo. L'explosion ici, à le camp du régiment des blindés, était si féroce qu'aujourd'hui ce quartier est devenu comme un quartier pilonné. J'étais là avec mon caméraman aux premières heures de cette action et voici l'état de la voiture dans laquelle j'étais. Voici comment ma voiture est devenue. Mais ce n'est pas si important, la voiture et l'être humain. Derrière nous, vous voyez tout ce qui est resté, mais ce que nous voulions assurer au Congo, et aux Brazzavillois et que, contrairement aux rumeurs persistantes qui défilent dans la ville, la place-ci est aussi assez sécurisée et il ne faut pas qu'ils cèdent à la panique, mais qu'ils rentrent chez eux, là où le gouvernement a demandé qu'ils rentrent. Mais le périmètre de sécurité doit rester vide, selon les experts. Voilà comment la vie d'un homme et d'un pays ou d'un quartier change suite à un événement non entendu. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands.